Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Fred pour Geeks and Com. J'espère que vous allez bien ce lundi soir et que vous avez passé un très très beau lundi. J'avais envie de vous partager un peu de World of Warcraft ce soir, que je suis dans dans une thématique bizarre où je vous parle de World of Warcraft et je fais avec vous le premier raid de Sombre Manche. Ça fait déjà quand même un bon petit bout qui est sorti celui-là, mais ça me tentait ce soir de vous proposer ça. Et j'espère que tout le monde va bien, que le début de semaine se passe bien pour vous. De mon côté, ça a super bien été, une belle journée. Puis on termine ça en beauté avec un petit raid. J'ai décidé de prendre mon tank pour vous autres, pour vous permettre de voir un peu qu'est-ce que ça donnait dans le feu de l'action. C'est pas mal plus le fun comme ça. Évidemment, sentez-vous bien à l'aise de venir me jaser. Toujours intéressant. Malgré mon rage, j'essaierai de vous jaser, discuter avec vous un peu. Pour ceux qui l'auraient déjà fait, ben, sentez-vous bien à l'aise aussi de venir me jaser et de me dire quoi faire. C'est toujours bien le bienvenu. Ah, que ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Je vous avoue, ça fait un bon petit bout que je n'avais pas joué encore, par exemple. Fait que ça va faire du bien d'y remettre les pieds. Ah, j'ai pas programmé ma souris encore. Ah! Laissez-moi reprogrammer ma souris. Pour du... Waouh! Ah, ça va beaucoup mieux comme ça. Je n'ai pas de cible. Qu'est-ce qu'on a fait, les tuyaux? Je les avais pas faites encore cette semaine, je vous avoue que ça fait une bonne. Ça doit faire un bon mois que. Pas un mois, mais un bon 2 semaines que j'avais pas mis les pieds sur WoW. C'était la soirée pour le faire. On a fait les suivants. Je vous présenterai un peu aussi où je vous parlerai de ce fameux premier boss-là. Pas tant compliqué, je vous avoue que peut-être le plus complexe va être le deuxième, c'est aussi le plus court par exemple. Mais le premier se fait super beau. Qu'est-ce qu'on a fait? Hey, j'espère que j'ai ça dans la tête à soi. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Est-ce qu'il est rendu à se lever? Non, il reste là-bas. Fait que le but c'est de tuer ces petits amis-là. Et quand ils sont tous morts, ben le boss n'est plus à terre et on peut finalement le battre. Là, le boss devrait se lever. Fait que celui-là, Nitendra, assez facile. On a juste à bouger quand on a l'espèce de pourriture sur nous autres. Ne pas se faire trop prendre s'il est de dos à nous. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que rien de bien bien complexe pour celui-là. Ouais, il se fait super bien ça là, normalement là. Bah, mais il est juste un peu long. Dans le milieu, il tombe à terre. Oh, ma vie. Là, je vais m'en garder fixe pour que ma caméra soit plus facile pour vous autres. Et qu'est-ce qu'on a fait, les tuyaux? Là, on a quand même beaucoup de DPS. Vous voyez, on est quand même déjà rendu à 80, ce qui est excellent. Beaucoup plus rapide que d'habitude. Et qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Oh, attention! Fait que ça faisait partie des choses qu'il fallait esquiver, idéalement que je sois sur le côté.
besoin de quand même un peu de loot, là. Ça fait du bien, je suis 8,51 avec mon tank. Un petit peu de loot serait vraiment bien. Qu'est-ce qu'on va faire, les tuyaux? Ça se passe quand même très très bien jusqu'à maintenant. Ah, j'ai pas vu ça le grand demi. Peut-être le faire boucher un peu par exemple. Ah, il tombe à terre. Fait que quand il tombe à terre, l'espèce de verre qui est mal pour nous se met à bouger comme vous le voyez là. Et ben moi je dois l'éviter tout simplement. Pas exactement comme je fais là. Ah, les deux doivent être détestés. Quand même bien passé. Ça va. Hey, je voulais voir en termes de tank. C'est comme une de mes premières expériences en raid. Je n'ai pas beaucoup. J'ai jamais eu de tank non plus. Mais la venue du Demon Hunter m'a vraiment tenté de me faire un tank et j'adore ça. Monsieur Dubois, à votre plaisir là-dessus, parce que vous lui êtes content. Comment on fait le tuyau? Salut Monsieur Mohamed, j'espère que tu vas bien. Comment trouves-tu le PVE HL actuel? Qu'est-ce que tu veux dire par HL? Je m'excuse, mon jargon se limite un peu sur WoW, mais oui, je joue encore. Je joue encore pas mal. J'espère que tu vas bien toi, by the way. Tu me diras ce que tu peux dire par HL, Mohamed, c'est tout. Waouh! Pendant que je t'arrête de répondre. Ça va numéro 1, mon ami. Ça c'est bien. Puis tiens, je le roll, je l'essaye. J'ai de D, puissance prodigieuse. 5900, ça se prend très très bien. Bah, pas si mal. Le premier boss fait. Tout cela pour devenir le Cerbère de la corruption. Pour le petit chemin qui sépare du deuxième boss, en réalité, c'est un petit chemin où il faut pas toucher. D'habitude, les gens sont bons, mais il faut pas toucher les nuages mauves qui sont ici comme ça, parce que sinon il y a des ennemis qui apparaissent. Fait que le but, c'est de les éviter. Mais il y en a qui semblent pas très très bons là-dedans. Hey Mohamed, j'attends toujours savoir qu'est-ce que tu veux dire par HL. Je cherche le Heroic League. HL voudrait pouvoir dire Hockey League, mais ça m'étonnerait. HL va pouvoir dire HL High Level, oui, je suis désolé. Vraiment. Ça a beaucoup plus de bon sens que tu me dis là. Très franchement, le contenu High Level est vraiment supérieur à ce qu'il y avait pour World Drainer. Vraiment, vraiment. Plus de fun. Les World Quest amènent quelque chose de super cool. J'ai même pas eu l'occasion de faire un live encore par rapport au World Quest. Ça amène vraiment quelque chose de cool. C'est sûr que c'est un peu le même rituel. C'est-à-dire quand tu vas avoir du loot qui est relativement haut, ben à un moment donné, tu vas finir par prendre ce qui est le plus haut, puis arrêter là. Mais très très cool. Honnêtement, ils ont vraiment fait quelque chose de le fun. Il est intéressant à suivre. Il est intéressant à faire aussi. L'histoire est vraiment cool. J'étais un fan évident. Je veux pas l'histoire. C'est quand même très très cool. Non, vraiment. Ils ont. Ça valait le prix. Les fans de WoW, autant pour revenir, il y en a beaucoup qui sont revenus. Bizarre que je veux dire avoir pas mal de gens avec ça. Mais vraiment, vraiment très cool. Fait que non, as-tu déjà été un joueur de WoW? Je suis curieux.
Mais tu vois, pendant que tu me réponds, là, les raids sont relativement faciles. Pour eux. Je les fasse avec 10 personnes, mais à 25, sont relativement. Pas 25, mais à 25. À 25, sont relativement faciles. Ça serait quand même très bien. Là, il y en a un nouveau qui est sorti par exemple que je vais essayer de tester avec vous autres cette semaine si j'ai l'occasion. Je sais pas par exemple si je vais pouvoir le faire, je vais essayer quand même de tester avec vous autres. Allez, venez les amis, venez à moi. Ouais, Pandaria qui était celui avec le monk justement. Très cool, j'ai vraiment joué moi à Pandaria. Il y en a bien gros qui le trouvaient un peu plus bébé là. Je l'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai surtout les mini-voir le content des Delmer. Oh my god, ok quand même. Fait que ça fait longtemps que vous faites de raid. Faudrait qu'on. Là je veux pas te tenter de rejouer là. Je serais un mauvais ami si je te fais ça. Faut que tu joues. Ah, je déteste ces gens qui sont dans un groupe et qui ne savent pas du tout qu'il faut pas marcher dans les choses mauves. Le regardez bien, c'est sûr qu'il y en a qui vont le poigner. Et voilà. Vous l'avez dit. Il est vraiment saut, ce petit le coquin. Ah, c'est trop mal. Ben. Mais jamais il n'avait eu une telle emprise. Je dois être capable de prendre ma mount. Parfait. Fait qu'en gros, le but de ce raid-là, qui est un raid en trois parties, c'est de. Fait, on tue Nitandra qui est en bas, et là, on arrive en haut, qui est. Où vous avez Malfurion qui est un peu emprisonné là, dans le milieu. Et il y a plein de chemins où il faut que je libère tous les boss qui sont alentour pour que le cœur ici s'ouvre dans le milieu. Fait qu'on s'en va tuer. Là, c'est lui qui est un petit peu plus mécanique, mais vraiment très intéressant. On dit qu'il me dit il n'y a pas de risque que je reprenne, j'ai plus le temps de m'investir un gros MMO fiscal de toute façon. C'est ça le problème, hein, c'est le temps qu'il faut investir. Si je te le donne, c'est un gros investissement. Sa corruption de s'enfoncera jusqu'au cœur d'Azeroth. Ce cauchemar engloutira notre monde et tous ses amis. Il faut absolument l'empêcher. Ah, pa-pa-da-pa-pa. Les anneaux annonçaient votre venue. La boucle sans fin est presque. Ah, j'allume ce boss-là. Fait que bien facile, l'œil, pour faire du dégât à l'œil, il faut qu'on tue ces deux tentacules-là. Les deux tentacules meurent, il y a trois espèces de bébites qui popent du sol, il faut les attirer sur l'œil. On les tue, ça fait du dégât sur l'œil, le cœur s'ouvre et on descend le cœur. C'est pas mal ça qu'il y a à faire dans ce boss-là. Bon, dis-nous. On est dans Jurassic Park. Let's go. Et c'était parti. Fait qu'en gros, on tue ces tentacules-là, les tentacules meurent, il y a des affaires qui pop, on amène des affaires qui pop sur l'œil, et c'est tout. Fait qu'un saut, merci, bonsoir. D'habitude, ça se fait honnêtement super bien. C'est juste que c'est plus mécanique. Le premier mort, les choses vont popper, on les attire. On les amène ici. On les tue ici. Qui est là? Je l'ai là! Allez, venez-vous-en! Allez, allez!
Là, vous voyez le boss qui descend tranquillement. Non, c'est un raid pick-up. J'avais pas ma guilde le soir, parce que ça me tentait pas nécessairement de vous achaler avec une guilde pick-up. Allez. Ça me tentait pas nécessairement de vous achaler avec une guilde ce soir avec plein de monde, plein de discussions. J'ai été un raid bien normal. Il devrait y avoir un ennemi qui apparaît quelque part là. Ah ha! En tuant lui, il va y avoir deux autres qui vont sortir. Ah, vite là, c'est quoi? Bon, il est mort, peut-être. On va les amener ici pour les tuer. Ça devrait être possible pour ouvrir l'œil, ça, normalement. Non, encore un peu, encore, et c'est parti. Fait que là, l'œil s'ouvre. On s'en va à l'intérieur, et on pète le cœur. Peu importe ce qui arrive, on pète le cœur. On pète le cœur! Allez, tout le monde! On a 40 secondes encore dans le temps, vous avez le temps qui est ici à péter. Normalement, ça devrait être fait facile en one shot. Au début, ça prenait deux shots, on sortait, on rentrait, ça faisait plus. Un coup, ça devrait être fait, il nous reste 25 secondes, il est à 38%. Hey, ça va être serré ça, les amis, ça fait longtemps que ça n'a pas été serré comme ça. Oh, ça va être super serré! Ah! Oh mon dieu que ça va être serré! Oh wow! Ah ouais, nice! C'est super serré ça! Ah, c'est bon, c'est pourri! Putain, des fois que... Un butin? 8-40, c'est pourri! Ouais, les choses qui arrivent. J'ai absolument rien pogné pour ce loot là. J'ai absolument rien pogné pour ce loot là. Fait qu'il reste un petit boss pour ce raid là. Rien de ben long, les amis. Il se fait super bien. Je vais probablement vous proposer quelques lives différents passant sur. Si j'en ai qui sont toujours ici avec moi là. Probablement vous proposer trois lives différents pour les trois raids tant qu'à toutes vous les mettre ensemble. Ça risque d'être pas mal plus le fun à suivre aussi. Alright, on s'en va battre. Puis tiens, je pense que je vais recommencer l'autre tout de suite après. Down, il est rendu quelle heure? Ah, bah oui. Ah, ça se fait super bien. Lui, super cool. J'avoue, là, honnêtement, je l'adore. Kimi Namini. Salut, Kimi Namini. T'es Tank DH, toi aussi? Kimi Namini, mon dieu. Hey, j'ai comme mal à. Ouais, j'suis un peu de ton avis. Il est pas Non, t'as raison, Sekhmet, c'est pas le best à suivre. L'histoire est quand... Honnêtement, c'est ce qu'ils ont fait avec Legion, hein. C'est côté histoire qui ont vraiment fort et fort. Fait que ça a fait vraiment du bien.
Bien Stank aussi, Kimi, alors Kimi, c'est ça, Kimi. Monsieur Raikkonen. Ça va super bien, toi. Ah, ils ont déjà commencé. Non, ok. Ça va super bien, toi, Kimi. Fait guys, pendant que j'attends les réponses des gens, très facile. Fait que vous avez. Ah non, il y a de l'autre côté là. Bon, je vais vous montrer. Peut-être pas du tout. Ça peut attendre. Je vous dirai qu'est-ce qu'on fait avec ce boss là. Il est relativement facile. On va attirer tout le monde. Et boum! Ah, pour vrai, merci du feedback, par exemple, Kimi. Je vais diminuer un petit peu ce fameux son-là. Tu me diras si c'est mieux, par exemple. Je suis quand même curieux de savoir. Ah! C'est encore dans un combo. Tu me diras si c'est mieux. Je vais diminuer un petit effet. Hein? Ouais, fait que tu me diras si c'est mieux. Je suis curieux d'avoir ton commentaire. Mais t'es bien gentil de me donner du feedback là-dessus, par exemple. Je suis encore un peu en test avec OBS. Pour faire mes touches là-dessus. Fait que très facile pour celui-là. À peine trop baissé. Je te déteste. Fait que très facile à faire pour celui-là. C'est une grosse araignée qui va changer en oiseau à peu près dans le milieu. Qui va nous faire une grosse tornade. On se déplace. Et c'est tout. Mais on t'entend bien en tout cas. Merci beaucoup. Je vais me permettre de remonter peut-être un petit peu le jeu. Comme ça, et ça devrait être pas si mal. Là, t'entendras pas grand chose, je t'avoue, là, mais tiens, on réessaye avec ces paramètres-là. Bon! On lance un ready check pour voir où est-ce que tout le monde en est. Tout le monde y est, et on est parti. Ça fait longtemps que tu joues, Kimi, toi? L'aile est pas servie. Déjà 70%, ça se passe bien. Vous allez voir à 55, 60, je me suis dit, je vais te transformer en oiseau. Je suis trop loin. Et depuis 2017, ah, sur serveur privé, alright. Comment tu trouves l'expérience? As-tu un peu joué à ce qui vient de sortir? C'est quoi tes constructions? Je suis curieux. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est un petit peu trop dans du bleu, dans du vert, quoi, l'ami. Là, je suis plus capable de bouger, il y a trop de vert ici. Excellent, là, il se met à bouger, puis après, c'est bon, dans une grosse tornade. Bon, je pense que ça est trop fort. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je te niaise. T'es super gentil de te donner ce feedback-là en plus. Je vais me déplacer de l'autre côté, puis après ça, je vais faire une différence sur le son. Tiens, tu vas être encore une fois mon cobaye, je le descends un peu. Tu me dis ce que t'en penses. Ah ouais, je comprends. Ok. Écoute, je vais diminuer un peu, dis-moi ce que t'en penses. Segment de skill druide, équilibre et chaman d'un million sont encore d'actualité pour le DPS. Je me souviens que j'adorais les jouer de temps en temps.
Mon dieu, de ce que je vois de DPS de ce temps-là, là, si tu regardes sur le côté ici, tout ce qui est mauve, c'est des Minhunter. Ce qui est bleu comme ça, c'est moine. Pas moi, non. Ce qui est bleu, c'est... Bon, je le vois pas. Non, c'est vrai, c'est vert. Là. Fait que je te dirais que des Minhunter, ces temps-ci, là, honnêtement, 5 mètres, c'est vraiment étonnant. Il y en a beaucoup. Ils font le tank et le DPS en même temps. Là, tu peux choisir ta faction si tu veux. Je t'avoue qu'ils sont super populaires. Pour le reste, oui, je vois quand même quelques druides. Mais ça se limite pas mal à ça, je te dirais. C'est les classes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le Warrior. C'est fantastique. C'est vraiment votre. Le camion a énormément changé, les suivis niveau, rapproche du géant par rapport à avant. C'est bon. Camélio, tu m'as perdu sur Camélio, Kimi. My god, t'es plus technique que moi dans le jeu. Faut que je m'avoue vaincu là-dessus, tu me bats. Je vais avoir besoin d'instructions. Ah, merci. J'apprécie. Qu'est-ce que ça donne tout ça, un petit butant? On a quelque chose d'intéressant. Où est mon butin? Où est mon butin? Ah, j'ai pas vu. 8,35, c'est pourri. Et tiens, je le réessaye. Qu'est-ce qu'on a? Puissance prodigieuse. 5900. Bon. Alors, ça ne fut pas fructueux. Malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. On va quand même prendre le temps de mettre mes armes prodigieuses sur l'arme. Il ne reste pas grand-chose. Ah, je suis comme déçu. Oui, je sais. C'est triste. Ça, au fond, c'est des démos de stress. Hein? Ouais. Très triste. J'ai comme l'impression que mon Demon Hunter, c'est comme des keys à l'époque. Tout le monde joue que ça. Ouais, c'est exactement ça. Honnêtement, là, c'est un super beau parallèle, Mohamed. Excellent. Fait que ça c'est fait. Alright. À ceux qui s'en vont avec moi, je vais vous proposer un truc. J'avais promis de faire deux lives différents pour les deux. Pour moins de raids, peut-être en faire un pour chacun. Fait que je vous abandonne pour 5 minutes. Oui, honnêtement, Kimi, j'adore le Demon Hunter. Là. Je trouve ça très très cool. Fait que je vous abandonne un 5 minutes, le temps de relancer un autre raid avec le nouveau raid, justement. Fait que on va se faire un gardien tourmenté pour le prochain, qui est quand même cool avec les deux dragons. Vous risquez d'aimer pas pire ce raid-là. Alors, si jamais, pour ceux qui quittent, ben c'était Fred de Geeks&Com. N'hésitez pas à venir voir tout ce qui est notre site web, geeks&com.com, chaîne YouTube, chaîne Twitch, sinon la page réseau social de Twitter, Facebook, Instagram, Google+, il existe tout pour Geeks&Com, fait que vous venez nous voir. Alors, c'était Fred qui vous dit ciao et bonne soirée.